Coucou. Bon, bah comme je vous avais promis, je vais venir me faire le bonsoir parce qu'il est 5 h du soir, je crois. Oui, à peu près. Commence à faire nuit. Comme je vous avais promis, je vous avais dit que je vous ferais mon retour de course de chez Lidl et puis j'irai faire un petit tour à Action. Mais à Action, j'ai vraiment rien trouvé. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté. Mais c'est rien d'intéressant. Je vous avais promis que je vous parlerais de mon docteur aussi, que j'étais voir le docteur pour savoir si je pouvais aller chez Coco pour le réveillon de Noël. Bon, c'est pas gagné parce que avant, il faut que tous les quatre, mon gendre, ma fille et mes deux petites filles se fassent tester et 72 heures avant que j'arrive. Et si comment, s'ils sont positifs, et ben réveillon, j'y vais pas, la fin de l'année, je la passerai toute seule. Voilà, donc je vais pas vous dire que j'ai le moral au plus haut, j'ai le moral plutôt dans les chaussettes, comme ça fait déjà plusieurs jours. Ma tension est remontée, le potassium est remonté, enfin bon, tout va bien. J'ai une prise de sang à refaire pour le potassium, et je vais y aller demain matin. Demain matin ou après-demain matin, je sais pas encore, parce que ça me fait suer. Donc sur ce, voilà. C'est pas bien gai. J'espère seulement qu'ils ne soient pas positifs parce qu'il m'a dit s'ils sont positifs, c'est à vos risques et périls, vous faites ce que vous voulez. Mais il m'a dit, vous gardez votre masque tout le temps. Vous gardez chez eux, vous garderez votre masque tout le temps. Positif ou négatif. Hein, bon. Je dis bon, bah d'accord. Voilà. Donc sur ça, je vais vous montrer ce que j'ai quand même acheté à Action pour me consoler. Alors pour me consoler, ben voilà, j'ai pas de diabète. Hein. À ma prise de sang, j'ai pas de diabète. Donc je me suis pris une grande barre de Twix comme ça. Voilà. Bon, les prix, je les ai pas. Puis je les cherche pas. Ça, j'ai pris pour allumer mon feu, mais ça, vous connaissez. Chaque haul, je vous les montre. Je me suis pris aussi pour grignoter, pas pour grignoter, mais pour des petites gommes comme ça. Voilà. Je me suis pris du shampoing parce que j'en avais plus. Voilà, du shampoing à je sais pas quoi, à l'avocat. Voilà. Et je me suis pris des trucs pour des brochettes, mais ça c'est pour faire des décos. Enfin, j'ai des trucs à faire. Et je me suis repris de la corde comme j'avais déjà pris. Voilà. Bon, ça, c'est Action. Ensuite, j'étais à Lidl. Alors, je devais passer aussi à la pharmacie. Mais, j'ai autre chose aussi qu'il faut que je vous dise. Je vais vous dire. J'ai un examen à passer parce que je dois faire de l'apnée du sommeil. C'est pour ça que je dors pas. Donc je vais avoir un examen, enfin ils vont me poser un appareil au mois de janvier, que ça va analyser mon sommeil toute une nuit. Voilà, donc je commence à sortir des trucs. Tout en vous parlant, je sors. Hein. Je sors. Bon, les prix, je ne les ai pas sous la main, j'ai oublié de les sortir, donc je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis, voilà. Donc pour commencer. Je me suis pris des petites tranches de poulet rôti comme ça. Voilà. Je me suis pris du museau en vinaigrette comme ça. J'adore. Je vous avais déjà montré d'ailleurs. Voilà. Je me suis pris une petite salade piémontaise qui va me faire 2-3 jours. Voilà. Je me suis repris deux kakis. Je me suis repris deux kakis. Alors, où sont mes kakis? Ça, c'est très bon, j'adore ça. Maintenant que j'ai goûté, je me suis pris un petit couscous poulet merguez, trois petits fromages panés au jambon. Voilà, je me suis pris mes petits crottins de chèvre. Voilà. Je me suis pris des bananes. Pour moi toute seule, j'en aurais assez. Hein. J'en ai 1 kg là. Oui, j'en ai bien 1 kg, je ne sais pas. On a 3 et 4, 7 bananes.
qu'est-ce que je me suis pris? Ben, je me suis pris ça, j'ai dit tant pis, je me fais plaisir. Je me suis pris du jambon, comme j'avais pris l'autre fois, jambon cru, rosette et bacon. Je me suis pris des petits yaourts à la vanille, comme ça. Je me suis pris des crevettes. Voilà. Il y aurait eu des huîtres, j'aurais pris des huîtres, j'avais envie de manger des huîtres. Je me suis pris un petit pain d'épices, mini pain d'épices, comme ça, de la marque Deluxe. Voilà. Je me suis pris. Attendez, il y en a encore un petit peu. Hein. Je me suis pris de la crème aux œufs. Voilà. Ça m'a contrarié. Le docteur m'a dit, ça m'a contrarié. Bon, enfin bon, on va garder le moral quand même, peut-être qu'ils sont négatifs. Un pâté en croûte aux olives, aux olives noires et vertes, j'avais déjà acheté l'autre jour et j'aime bien. Voilà. Je me suis pris une baguette de pain, vous savez. Je me suis pris des petits desserts comme ça, French dessert aromatique aux fruits. Alors, ça a l'air d'être, je ne sais pas, des fraises. De la marque Deluxe aussi. Voilà. Je me suis pris de la rosette de Lyon. Oui, de la rosette de Lyon. Hop. Je me suis pris des petits filets de truite fumée. Je me suis pris deux avocats. Je me suis pris un petit fromage de chèvre comme ça, pour changer du crottin un petit peu. Et une caissette de clémentine que je laisse dans mon sac parce qu'il faut que je la soulève. Donc oui, j'étais en train de vous dire qu'ils pensent que, comme je ne dors pas, que je lui ai expliqué, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me prescrire de la mélatonine? Vous m'aviez dit que vous pouviez m'en prescrire. Il m'a dit, avant de vous en prescrire, on va déjà faire un examen parce qu'il dit, vous devez faire de l'apnée du sommeil. Je dis, on ne sait rien moi si je fais de l'apnée du sommeil. Alors, il me dit, est-ce que vous ronflez? Ben, j'ai ma fille, elle m'a dit que je ronflais quand je dormais. Mais j'ai dit, moi, je ne me rends pas compte. Bon, il m'a demandé combien de fois je me réveillais dans la nuit. Ben, je lui ai dit, je vois toutes les heures passer, quoi. Je dors une heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, et hop, je me lève pour aller aux toilettes. Il m'a dit, oui, il faut faire un examen. Donc, j'ai rendez-vous le 4 janvier avec un docteur du même cabinet médical qui va me poser un appareil et puis qui va analyser mon sommeil. Toute la nuit, j'irai reporter l'appareil le lendemain matin. Voilà, voilà, voilà. Alors, inutile de vous dire que le moral, il était déjà pas mal. La tension a remonté. Donc, il m'a doublé la dose pour la tension. Le potassium, bon, je vous disais, il est remonté. Je vais me refaire faire une prise de sang, mais sans garrot. Et puis, voilà, voilà, voilà. Donc, c'est bon. Bon, mercredi après-midi... qui m'a bien plombé. Alors j'espère, bon, j'ai dit à Coco, tu te fais tester avec mon gendre, puis les deux filles, quoi, parce qu'il m'a dit, c'est pareil, si vous en avez une qui est à Angoulême, il faut qu'elle se fasse tester aussi. Donc, voilà. Donc il faut qu'ils se fassent les quatre tester. Et selon les résultats, j'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Donc, on va garder le sourire quand même, on va essayer, hein. Et puis, j'espère qu'ils seront négatifs, mais je me pose des questions. Voilà. Donc, je vais ranger tout ça. Je vais vous faire un gros bisou. Merci d'avoir regardé. J'avais dit que je vous tiendrai au courant. Et puis, c'est pas évident. Comme il m'a dit, vous en avez encore pour rien. Non, pas moi personnellement, mais il dit on en a pour un moment encore. Donc, comme je dis, de toute façon, je ne suis pas toute seule dans ce cas-là, hein, il y en a d'autres, hein, je ne suis pas la seule. Mais bon, moi, j'ai passé la fin de l'année ici, je ne me sens pas Non, je n'ai pas la tête à... Alors, il m'a dit, vous faites ce que vous voulez, il me dit, vous pouvez y aller, si vous voulez y aller, allez-y. Gardez votre masque toute la journée. Mais, il dit, vous risquez de revenir malade. Bon, voilà... Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas.
Donc, ben, je vais voir. Je vais voir déjà, là, ils vont faire leur test et puis après, on verra ça. Voilà, ben, écoutez, je vous fais un gros bisou et puis ben, à demain. Allez, bisous!